Voilà. Quel nulos. On est en train d'acheter des trucs qu'on trouve pas en France. On va faire une dégustation quand on sera à la chambre tout à l'heure. It's like I'm losing my mind and time's hard to find. What's a girl got... Bonjour. Hola, que tal? Muy bien, y tú? Aujourd'hui, nous sommes le troisième jour. Où est-ce qu'on est? Au parc du Retiro. Parque del Retiro. Allez, avec l'accent. On va vous montrer tout ça et c'est parti. J'ai plus beaucoup de place sur ma carte mémoire en plus, donc faut pas qu'on soit trop bavard. Bisous. Arrête. Something about the weather in July. But I'm about as fickle as the sands of time. So I don't wanna call you mine. There's a little ember in my heart that flickers. Nothing seems to cultivate the flame. I don't got a problem making. Regardez, on arrive ici. Ouais. Allez, tout droit. On va se prendre des gens, on va faire comme les autotamponneuses. J'ai oublié dans quel sens vous le faire. Je sais pas. Déjà, j'ai oublié dans quel sens. Comme ça. Ok, voilà. Quel nulos. Bon allez, laisse-moi reprendre les rames, c'est n'importe quoi là. Mais j'étais pas au kayak. Mais là on rentre là, alors que nous on va aller là-bas, là c'est trop beau là-bas. Là dans l'autre sens alors, comme ça. Hein? Oui mais c'est pas dans le bon sens là, bon, du bateau. Allez, rends-moi les rames. Regardez, il rame pas du tout mieux que moi. On va tout doucement. Et il m'envoie plein regarde d'eau. Comment on va vite. Voilà, il m'envoie plein. Voilà. Regarde comment on va vite. Arrête, amis, je suis dégoûtée. Après Big Ben et ses échafaudages. Ouais, référence au vlog de... Bah, vous l'avez pas vu, le vlog de Londres. À Londres, on est arrivé, il y avait des échafaudages énormes autour du Big Ben. Ensuite, à Bruxelles, ça vous pouvez le voir, il y avait des échafaudages partout. Et là, je suis dégoûtée parce qu'il y a un truc super moche. Regardez. Alors, normalement, c'est du cristal comme ça, c'est des glaces et tout. Et là, il y a un immeuble. Voilà. Juste regardez, s'il vous plaît, c'est du carton. C'est du carton. Mais il y a une photo là. Mais bref, c'est du carton avec du plâtre caca. C'est moche en fait, ça. C'est des feuilles mortes. Mais non, je crois que c'est du scotch comme ça là. Et après, pour faire du relief. Je dois vouloir dire un truc artistique, mais nous on l'a pas là. Je l'ai pas. Mais regardez, c'est vraiment du carton par contre. I think the hardest part was the acceptance that I let you slip in. And maybe I could fall. Just try to remember who's around. Les gars, il y a une tortue. Genre, à savoir que les tortues sont les tortues de mer précisément, sont mes animaux préférés du monde entier. Et là, il y en a. Regardez. Il y a des petites tortues. Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third coffee of the day. Almost fell asleep on Zoom. I yawn at the display. Meeting of the day. On est arrivé au resto, ça s'appelle Religion Café. Il est 14h, on a super faim. Et là, regardez, j'ai commandé déjà un acai bowl avec de la spiruline bleue. Regardez comme c'est trop beau. But I can hear raindrops that dancing on the roof. Donc on vous montre où on est. Mais en fait, à savoir que nous, on est deux personnes qui avons très peur du vide. Non, un peu le vertige. Non, moi j'ai très peur. On vous montre. Mes jambes tremblent, vraiment. Attendez. Voilà, on est sur le rooftop de l'hôtel Ryu. Je vais faire le tour. Moi non plus. Vraiment, je bouge pas beaucoup, mais je vais faire le tour, je vous montre. De filmer ça, ça me donne le vertige. Les gars, là, c'est transparent. Genre, moi, je ne passe pas du tout par là. Je vais faire le tour par l'intérieur. Mais là, c'est... Je sais pas si vous voyez. Oh, vas-y, oh, non, non, non. Lui il est vegan et lui il l'est pas. Et du coup c'est suisse, c'est ça l'adresse si jamais ça vous intéresse. Alors je vous explique ce qu'on fait, là on est dans un supermarché et on est en train d'acheter des trucs qu'on trouve pas en France. Spoil, genre, spoil, non, non, spoil. C'est pas. Et du coup on va faire une dégustation quand on sera à la chambre tout à l'heure. Du coup voilà. Est-ce qu'on en parle qu'ils font, des canettes mais je suis pas d'eau, que ce soit de l'eau hein. Mais si, de l'eau. C'est des bouteilles d'eau à côté. Ouais, il y a des canettes d'eau. C'est trop bizarre. Ah c'est peut-être au citron. Ouais.
On est dans un restaurant qui s'appelle Pizzi et Dixie, plant-based. Donc en fait, c'est un italien qu'on a découvert par hasard, 100% vegan. Et du coup, là, on a pris des croquettas de je sais pas quoi. Donc on va goûter ça. Voilà. Bon, c'est comme ça à l'intérieur, c'est aux champignons. Et c'est trop bon. Et la sauce, là, elle est aux aubergines. Grave bon. On valide. On valide. Hyper bon. Donc là, il a une pizza vegan, mais elle a l'air dingue. Regardez-moi le fromage et tout. Il y a de la truffe, des artichauts et moi, des gnocchis à la patate violette. Mmh, ça va être trop bon. Jamais j'ai goûté la pizza chine. Elle est trop bonne. C'est incroyable. C'est trop bon la truffe. Les gens sont super gentils ici, mais c'est à peu près les 40e serviettes qu'on nous apporte. Elle nous en a retiré au moins 4 ou 5 déjà en plus. Ouais, elle est trop gentille. Alors, mais vraiment, ça me gêne toutes ces serviettes. Regardez, on a pris une Ferrero paille et là c'est 100% vegan, encore une fois avec de la glace. Là, oh là là, mon dieu. Oh. Oh. Très Instagrammable, merci, on goûte. Y'a rien. Je pense qu'elle va regarder en haut à droite. Voilà, super. Mais c'est trop bon, ça a la noisette, c'est trop bon. Je conseille vraiment ce resto. Je vais te défoncer toute seule parce qu'en plus il aime pas. J'aime pas ça. Les amis, dégustation, ça me dit. Non, non, attends, pardon, je suis précipité. On va vite parce que j'ai pas beaucoup de temps sur ma caméra. Dernier jour, du coup, on va déguster avant de partir de la chambre dans 15 minutes. Donc c'est parti. Les amis, dégustation, on commence par ça. Ça s'appelle Ups. Voilà, c'est un c'est truc. Je pense que c'est du Fanta. C'est horrible. Ah, c'est pas bon. Montre. Ah, on dirait du bio. Ah, on dirait un truc de vitamine. Un oui, voilà, ouais. Bien oméga 3. Suivant, on a pris ça, c'est un truc sale et comme ça. Voilà. Cheers. C'est pas très très bon. C'est pas bon. C'est pas bon, on vous conseille pas. C'est un goût de quoi? C'est un goût d'un truc qu'on connaît. Ouais, mais c'est pas bon. Vous voyez les... De popcorn. C'est les galettes de riz, là. Je sais pas. Et en même temps, on va goûter ça. Bon. C'est zéro sucre. C'est une boisson gazeuse, non. Encore. Mais si. On n'est pas sûr que ce soit pas de l'eau en canette. Ouais, en fait, on n'en sait rien. On va tester. Mais c'est fait à base de quoi, ça? Alors, si quelqu'un sait ce que ça veut dire, Cortezas de cerdo fritas. Comme là. Ah, c'est dégueulasse. Si quelqu'un sait ce que ça veut dire, on est preneur. C'est de l'eau au citron, mais pas assez citronné et sans sucre. Je vais les vomir. Je savais que ça avait un goût horrible. C'est de la couenne de porc. Oh non, je vais pleurer, je vais vomir. Mais disais bien que ça avait un coup de jambon. 7 ans sans manger de la viande pour ça. Prends ça pour te désaltérer. Ah non, mais je te jure, je vais vomir. Bon, on passe sur autre chose. Prends des Oreo Remix. On a ouvert le paquet, ça sent la choupa choups fraise miel. Fraise lait, pardon, fraise miel. T'as raison, il y a une choupa choups. C'est pas dégueu parce que ça se mange. Alors c'est mieux que la couenne de porc, quoi. Mais c'est pas bon non plus. Non, pas bon après. J'ai envie de mourir. La chose, on a pris de l'horchata comme ça parce que je sais que c'est un truc à goûter en Espagne. J'aime bien. J'aime bien. Un peu sucré. Oh. Ah. Il reste 0 minutes, on vous laisse. On se trouve dehors, je vais faire de la place sur ma carte mémoire. Mais j'aime bien, c'est bon, je vous conseille. Voilà, après avoir mangé de là, je sais même plus, j'ai plus envie, j'ai envie d'oublier, mais bref, je prends ses dents. Je sais que je suis en boucle, mais là, du coup, je viens de prendre un chewing-gum parce que j'ai vraiment la nausée. Et lui, il se fout de ma tronche. Mais je vous jure, j'ai les larmes tellement que je suis dégoûtée. J'ai envie de pleurer. Arrête de te moquer. On est retourné dans le restaurant qui s'appelle, attendez, je vais vous montrer, qui s'appelle Honest Green. Trop bien, on paye juste les verres et après on peut remplir de ce qu'on veut. Donc là il y a de l'eau et après là il y a plein de jus différents. En entrée on s'est pris des frites de patates douces avec de la crème vegan et tout ça. Ça a l'air trop bon, c'est bon? C'est trop trop bon. Il revient avec un nouveau jus, attendez. Je suis sûre à 1000% que t'as pris le truc au concombre. C'est pour ça que t'en as pas mis beaucoup. J'ai vu après que c'était au concombre. Allez, on goûte. Toi en premier. C'est dégueulasse. Moins pire que la fois où t'avais pris un mojito au concombre à Paris. C'est un mojito au concombre là. Oui, mais à Paris, t'en avais pris un, il était horrible. Ah bon? Ouais. Les assiettes sont arrivées, on a quoi ici? Tataki de thon. Ouais. Patate. Ouais. Crue. Enfin, croide. Genre salade de pommes de terre. Voilà.
Légumes cuits. Ouais. Salade. Et moi, j'ai des brocolis rôtis avec un truc en dessous, je sais pas ce que c'est. Des falafels qui sont les meilleurs falafels du monde. Les mêmes légumes que Stan. Et des asperges violettes. On a un nouveau jus. Carotte, orange, curcuma. Oh, pourquoi tu l'as servi autant? C'est de l'eau. Ah bon? Ça va pas de goût. Ah. Bon, je vais recharger le truc après, c'était bien meilleur. Ouais. On filme nos derniers instants à Madrid. On est sur la Plaza de España. Il est quelle heure là? Il 17h et on est censé partir pour l'aéroport à 17h30, 18h. Du coup, on s'est posé en attendant avec un Starbucks chacun. Toi, t'as pris. Réfraîchi à mangue. Mangue fruit du dragon. Mangue fruit du dragon. J'ai pris un truc qu'on n'a pas en France, c'est thé glacé, citron, hibiscus. Donc voilà. Et du coup, on est ici. On va réorganiser nos valises parce qu'on a genre. 3 sacs. 4 sacs. 4 sacs à faire rentrer dans nos sacs là, parce que du coup on n'a pas payé de bagages cabine, enfin de bagages en soute. Et je me suis acheté ça aussi pour l'avion et pour. Parce que bientôt je vais repartir quelque part, mais vous verrez ça bientôt. Et voilà, du coup c'est parti pour réorganiser tout ça. Souhaitez-nous bonne chance. Complètement oublié de vous montrer, mais regardez comment ils l'ont appelé. Estan plus Irondi. Voilà, au lieu de. Stan, ils l'ont appelé Estan, ils ont cru que c'était un verbe. T'as un peu le seum. Estan, Estan. Muy bien. Au revoir Madrid. Non. Oh, oh non. C'est triste. Ah, bah, s'il vous plaît, on est en train de filmer un vlog. Waouh. Au revoir Madrid. Au revoir Madrid. On est dans l'avion. C'est le pire endroit pour vous clôturer ce vlog, mais on n'a pas le choix. Ça va être compliqué sinon. Parce qu'on arrive à 23h30 à Paris, donc on aura tout sauf envie de clôturer le vlog. Donc, on espère que. Que vous avez passé une bonne vidéo. Que vous avez passé un bon moment avec nous, que ça vous a fait plaisir de voir Madrid. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter la vidéo. Abonnez-vous. Vous foutez de ma tronche parce que j'ai mangé du pain ce matin que je m'en remets pas du tout. À activer la petite cloche, à vous abonner, à me suivre sur Instagram parce que je repars bientôt et du coup je vais encore partager plein de trucs de voyage, etc. Et sur ce, enfin je repars dans 3 jours en fait pour tout vous dire, mais c'est une exclusivité. Et voilà, c'est tout. Je vous fais gros bisous. Ciao. Kiffez la vie, prenez soin de vous et gros bisous. Gros bisous. Thank you.